coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu l'envers du décor. En fait, là, on est lundi. Du coup, je fais le montage d'une vidéo que j'ai tournée le week-end. En fait, on me demande souvent comment je m'organise. Je tourne les vidéos le week-end. J'en tourne une ou deux, par exemple, en face caméra. Des vidéos, par exemple, plantes ou tutoriels. Par exemple, celle que vous avez vue mardi. Et je vais faire le montage durant la semaine, sachant que les tournages me prennent plusieurs heures. Les vlogs, je les tourne comme ça en plusieurs clips dès que j'ai 5 minutes dans la semaine. Et ensuite, je fais le montage le vendredi. Ça me prend, en général, un vlog, ça me prend pas mal d'heures. Tout mon temps libre, en fait, le vendredi, sachant que mon temps libre est limité. Donc voilà, je tourne les vidéos face cam le week-end, les vidéos un petit peu à thème. Ah, j'ai mon oxalis qui fleurit. Pardon. Et je fais les montages en fait la semaine quand j'ai 5 minutes, c'est-à-dire que là par exemple il est. Quelle heure est-il? Il est 10h moins 10 et Louis est couché depuis 9h30. Donc le matin il dort entre. Je crois que c'était lui qui hurlait. Il dort entre 45 minutes et 1h30, ça dépend. Du coup, à ce moment-là, j'avance pas mal de choses. Je fais le montage, l'édition des vidéos. En fait, j'en fais un petit bout chaque jour parce que j'essaie de m'organiser en fait entre. Quand il est réveillé, je passe tout mon temps avec lui en fait. Parfois, vous entendez derrière les vidéos sa voix qui parle. En fait, c'est soit parce qu'il est avec mon mari, comme c'est le week-end, du coup, parce qu'il peut s'en occuper. C'est pour ça que je tourne les vidéos le week-end. Qui joue avec lui, soit parce que c'est un petit clip de vlog, donc ça dure 5 minutes et il est à côté de moi. Mais sinon, voilà, les vidéos face cam, je fais ça plutôt le week-end. Donc, toute la semaine, voilà, j'essaie, dès que j'ai 5 minutes, de faire un peu de l'édition, de répondre à vos messages sur Instagram. Donc, c'est devenu un petit peu plus... Enfin, j'essaie d'être assidue, de prendre toujours 5 minutes. Dans la journée, j'essaie d'ouvrir l'application plusieurs fois, dès que j'ai 5 minutes, qui dort ou autre chose. Parce que sinon, je me retrouve le soir avec des centaines de messages. Et c'est vrai que j'arrive pas à gérer, donc j'essaie de le faire plusieurs fois dans la journée. Donc, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite de faire des photos, voilà, créer les vidéos, parce que quand je fais une vidéo en face cam, après je filme des clips que je rajoute et du coup je vais les filmer voilà, dès que j'ai 5 minutes. Là c'est vraiment juste le montage. Je regarde déjà, je coupe tous les parce que oui, il y en a beaucoup, mais en vrai il y en a encore plus. C'est comme ça que je m'organise. Après, il y a les jours de publication, je réponds à vos commentaires, soit le soir même, une fois que Louis est couché, soit le lendemain. Mais c'est vrai que c'est un boulot pour ceux qui font ça à plein temps et qui veulent vraiment gagner leur vie ou autre. C'est un boulot qui ne s'arrête pas ni les soirs ni les week-ends. Voilà un petit peu mon organisation. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un peu l'envers du décor parce que vous ne me voyez que en train de jardiner, cuisiner, voir mon petit loulou et tout. Mais en fait... mon temps libre, je le passe là en fait. Je suis punie dans la cuisine. Non, je suis pas punie, pardon. Mais voilà. Parce qu'en plus, là, quand il dort, je peux pas faire grand chose, je peux pas faire du ménage, je peux pas faire. Parce que il a le sommeil quand même très léger. Louis, il a beaucoup de mal à s'endormir. Quand je l'endors enfin et que il y a un semi-remorque qui klaxonne ou que la fanfare commence, je vous avoue que je suis un peu frustrée. Quand je l'endors enfin, j'essaie de faire pas trop de bruit, quoi. Donc je fais dans le salon ou dans la cuisine et du coup, je travaille sur mes réseaux sociaux. En fin de journée, lundi, je me suis occupée de mes petites tulipes. En fait, j'ai décidé de les récolter parce que je vais libérer ce pot pour planter les bulbes d'été. J'en ai commandé en fait, du coup, je vais bientôt les recevoir, je vais bientôt les planter. Donc là, je récolte tant que les tulipes sont belles, parce que j'ai envie du coup d'en profiter un petit peu à la maison dans un vase. Et je vais laisser les tiges sécher de façon à ce que la sèvre descende et que les bulbes puissent refaire leurs réserves en fait. Et ensuite, je les déterrerai et je les mettrai au frais dans la maison. Donc voilà, franchement, récolter ses propres tulipes pour les mettre en vase chez soi une fois qu'elle... Parce que là, elle commençait un petit peu à s'abîmer et devenir un petit peu toute piscornue. C'est hyper, hyper, hyper gratifiant. Je suis trop contente. Franchement, l'an prochain, si je suis encore sur ce balcon dans cet appartement, je plante des dizaines et des dizaines de bulbes de tulipes. Il y en a partout. Donc pour rappel, les bulbes de tulipes, on les plante en automne. Hein. Et on les laisse tout l'hiver en terre, on les arrose de temps en temps, et elles sortent au printemps, comme les jacinthes et les narcisses. Les narcisses, je regrette de ne pas en avoir mis.
Ensuite, j'ai pris le temps de vous faire quelques images que je voulais vous faire un petit point oxalis. Donc celle-là, c'est mes spécimens préférés, ces deux boutures en fait qu'une amie Amandine m'avait données. Et donc je les ai réveillées ce printemps. Celle-là, c'est celle que j'ai rentrée, elle s'était endormie dehors, j'avais besoin du pot. Et elles sont toutes, se sont toutes réveillées à l'intérieur avec la différence de température. Celle-là, je les ai rentrées récemment dans un de mes derniers vlogs de mon mini balcon parce que j'avais besoin du deuxième étage de la jardinière Hello. Donc il y a des vertes et des violettes qui commencent à sortir. J'ai hâte de pouvoir les mettre dehors, les deux là, elles seront belles bientôt. Et celle-là, c'est celle que je n'ai pas endormie cet hiver. Donc vous voyez, il y a des feuilles abîmées que je vais enlever. Il y en a qui vont bien et il y a même une petite fleur. Bon, elle ira mieux l'année prochaine. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, c'est pas la grosse forme. Pour remonter le moral, je me suis dit que j'allais planter. J'ai retrouvé pas mal de choses. J'ai retrouvé quelques bulbes d'oxalis des pays, donc j'ai envie de les planter à nouveau. J'ai retrouvé des bombes de graines que la pousse verte m'avait envoyées. Du coup, j'ai envie de les planter aussi. Je pense qu'il va falloir que je les réhydrate. Et j'ai reçu aussi du coquelicot. En fait de la part de Tom le jardinier dans son livre en fait qu'il m'a envoyé et j'ai envie de les planter aussi mais du coup je vais peut-être filmer ça et le mettre dans un vlog de balcon, on verra. Donc voilà, pour se remonter le moral, je plante des trucs. J'ai envie de planter, j'ai acheté une patate douce pour Louis et j'ai envie de la planter mais non. J'ai envie de te planter, nounou. Alors du coup j'ai mis les bombes de graines à tremper, mais en fait je pense que c'était pas une superbe idée, elles ont commencé à se détériorer en fait, parce qu'au départ les bombes de graines hein, c'est pas fait pour ça, hein. C'est pour les balancer dans les champs et créer voilà, des espèces souvent mellifères, mais voilà j'avais envie de le tenter, j'ai gardé les autres pour les mettre, j'ai une petite idée, je pense que ça sera vers chez ma sœur, on fera ça avec mon neveu, bon ça a été. Ensuite les bulbes d'oxalis, bon là vous pouvez les planter n'importe comment, hein. L'oxalis de toute façon elle poussera. Donc vous voyez, ça avait un petit peu fondu, le petit mélange en fait. Mais bon, je pense que ça va prendre, il n'y aura pas de souci. On verra. À l'intérieur, il y a des graines de coquelicot, donc je vais les mettre. Je ne les ai pas mises trop profond, parce que c'est quand même des graines photosensibles. Mercredi, je voulais vous montrer une création de macramé d'une petite créatrice qui tient le compte Comptoir de Charlie. Donc Amandine, je te remercie encore. Je vous mettrai en barre d'infos ce qu'elle fait. Elle a proposé de m'en envoyer un parce qu'elle avait su que j'en cherchais. Et j'ai choisi celui-là à franges qui est vraiment magnifique. J'adore le style. Je l'ai mis au-dessus du radiateur puisque dès à présent, on n'utilise plus trop ce radiateur. Et comme ça, je peux bien en profiter. J'ai mis un petit pot pour essayer, mais je pense que je mettrai un pot encore plus grand. Et d'ailleurs, elle m'a offert une petite alocasia trop chou, un de ses bulbilles qu'elle avait fait pousser. Donc ouais, merci mille fois pour cette petite attention. Coucou! Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je vais vous remercier pour vos messages sur Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je partage un peu plus tout au quotidien un petit peu. Et c'est vrai que j'ai eu deux jours vraiment difficiles. Enfin, on a eu deux jours vraiment difficiles avec Loulou. Mais là le moral est un peu remonté. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je voulais remercier mon abonnée Hélène qui nous a fait encore un joli cadeau. Ouais. Elle nous a offert des petits crabes à empiler. C'est rigolo parce que la kiné qui voit Louis m'a recommandé récemment de l'encourager à passer en 3D, à empiler des choses vers le plafond. Quoi. Et du coup, elle a lu dans mes pensées parce que j'en cherchais. Donc merci encore Hélène. Mais c'est pas le sujet. En fait, je voulais vous parler de deux lectures que j'ai faites récemment. La première, je l'ai achetée, c'est le petit traité rustica du balcon et des terrasses. Quand je fais un épisode de ma série sur mon mini balcon, on me demande souvent « Ah tiens, moi j'ai un balcon exposé comme ci, comme ça, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que tu crois que ça pourrait marcher ?» Comme beaucoup de choses, j'ai pas les réponses à tout. Du coup, souvent, je vous donne ce qui a marché, moi, sur mon ancien balcon qui était vraiment exposé plein ouest, donc avec un soleil extrêmement chaud.
abrité en plus, donc pas beaucoup de vent. Et je vous donne aussi ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne maintenant sur mon balcon nord-est. Il y a un petit filet de soleil le matin. Et des fois, vous êtes orienté différemment, ou alors vous me parlez de plantes que j'ai pas eu l'occasion de tester, soit parce que j'avais pas la place, soit parce que j'y avais pas pensé. Du coup, je le recommande parce qu'il est vraiment super. Je l'ai lu en long, en large, en travers, et maintenant je vais pouvoir vraiment vous répondre beaucoup plus précisément. J'ai commandé des bulbes d'été, donc j'ai hâte. Viens du bazar derrière. J'ai hâte de Ah oui, alors là, il y a un gros trou parce que j'ai bougé le spatifilem qui va commencer à être pris d'assaut par le loup, qui ne rampe pas encore mais qui roule boule. Donc, il se retrouve aux quatre coins de l'appartement. Voilà, donc il a été remisé dans la chambre à coucher. Voilà, donc celui-là, je recommande grandement. En fait, c'est section par section, plante par plante, avec quand même des chapitres à thème, par exemple les plantes de bruyère, etc., les arbres fruitiers, etc. Deuxième livre dont je voulais vous parler, celui-là, je l'ai reçu, donc je ne l'ai pas acheté. C'est Tom le Jardinier, de la chaîne YouTube et du compte Instagram Tom le Jardinier. Si vous ne connaissez pas déjà, ça m'étonnerait, mais si vous ne connaissez pas déjà, qui me l'a envoyé, en fait, il vient de sortir son premier livre aux éditions Albin Michel, qui s'appelle Un potager au naturel. Donc, si vous voulez commencer votre potager, il est super bien fait. C'est un très très beau livre, épais comme ça, vraiment très beau, avec beaucoup d'images. Et donc, au naturel, parce qu'il propose beaucoup de solutions naturelles pour... les ravageurs, etc. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que la première partie, c'est plus général, comment démarrer. La deuxième partie, c'est vraiment au fil des saisons, quoi faire au potager pour chaque saison. Et la dernière partie, on a à chaque fois des fiches légumes avec comment les récolter, comment les cultiver et comment les cuisiner aussi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment le chapitre du milieu avec chaque mois, quoi faire au potager. Et en fait, il y a une petite section à chaque fois pour le balcon. Donc, c'est pas mal pour le jardin, en fait. Mais il y a quand même à chaque fois une petite section, un petit mot pour ceux qui font ça sur balcon. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et puis, l'aspect recette aussi, ça c'est... Voilà. Donc, si vous cherchez à vous mettre au potager, que vous êtes comme moi, que vous êtes débutant vis-à-vis de tout ce qui est les récoltes, légumes, etc., moi, l'an passé, sur mon balcon, j'avais récolté pas mal de tomates cerises, des fraises et des aromatiques. Mais c'est vrai que je suis encore jamais allée beaucoup plus loin. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Voilà.